Quand même une réelle envie de laisser au moins une chance aux jeunes de franchir la porte. Et au final, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des jeunes talentueux. Parce qu'on les aide, on n'attend pas qu'ils soient déjà bons pour les aider. Je fais de la physique depuis 7 ans, je suis vraiment passionné de sport en général. Ça m'énerve, comme tout le monde, ça m'agace de tricher. Ça m'intéresse pas, je préfère rester concentré sur le championnat, sur ce que j'ai à faire. Mes concurrents directs, ils sont présents. Elle veut absolument travailler, donc c'est bien, elle n'existe pas le relais. Malgré qu'elle a deux étoiles, elle va tricher quand même. Donc, bien, elle n'était pas là, mais les filles étaient là quand même. Après, j'ai fait. Ce championnat est un championnat d'opportunité, très franchement. Quand on regarde les listes d'engagement des athlètes, épreuve par épreuve, vous avez de bonnes opportunités à saisir. Et n'hésitez pas à les saisir. Dès que vous allez rentrer sur le stade pour votre première épreuve, une série, une qualification, et ben voilà. Vous savez que tout est possible. Il n'y a qu'un champion olympique. Et j'aimerais juste qu'il dise certainement deux, trois mots comment il a abordé cette finale olympique. Et il en parle beaucoup aux médias, mais j'aimerais qu'il en parle aux jeunes et à l'équipe de France. Donc, Renaud, si tu veux bien dire un petit mot, ça me fait plaisir pour toute l'équipe. Merci. Faites-vous plaisir, quoi. Tout simplement, pensez pas aux meilleurs qui sont devant vous, que ce soit des stars ou des pas stars. Franchement, on n'en a rien à foutre. On est là, c'est pour se faire plaisir, pour... Voilà, porter le maillot de la France et de toute façon, demain matin, moi, je suis sur la piste, donc on va montrer le chemin et puis après, bah, c'est parti. Hein. On a une semaine à vivre et puis il faut que ce soit des super moments. Quoi. Sincèrement, je vous en voudrais jamais de perdre. Mais par contre, je vous en voudrais si vous faites la comédie. Je vous en voudrais si vous jouez un mauvais rôle. Je vous en voudrais si vous ne jouez pas le jeu de l'équipe de France. Parce que comme je dis, le maillot de l'équipe de France, c'est pas un cadeau non plus. Faut pas y croire. C'est une très très grande responsabilité. C'est pas à vous que je vais la prendre, surtout pas aux anciens. Je veux que vous écriviez une nouvelle histoire sur cette Olympiade. On vise la Lune. Et ça, c'est important.
Et ça, j'ai confiance en vous. Donc restez comme vous êtes, sincèrement, changez pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous aime. Merci. Dit qu'il y a une fourchette de 4 heures entre le moment où on se réveille puis le moment où on est à peu près performant. On sait que cette fourchette-là, depuis peu, on sait qu'elle est très individuelle. Ça peut aller de 2 heures pour certains à 5-6 heures pour d'autres. Kevin, Gaël ont l'habitude, même Antoinette, ont l'habitude de faire à peu près 4 heures avant. On sort du lit, on va faire un petit tour, on se réveille, on met ses sens en éveil. Ça prépare le véritable échauffement qui se fait là, dans les grands championnats, à peu près 2 heures avant la première épreuve. Ce moment-là, du réveil du matin, je le partage avec eux depuis 30 ans et j'ai des souvenirs impérissable de Nice qui me réveille à 4h du matin pour aller faire un footing à Séville, et ça c'est inoubliable. Donc ce moment-là, c'est un moment de ça prépare tout le décathlon, quoi. C'est cette convivialité-là qu'on ressent et qu'on prépare dès le matin. C'est le propre de cette épreuve-là qui veut qu'on soit avec eux presque 24 heures sur 24. De l'échauffement jusqu'à la récupération d'après la dernière épreuve, le 400 mètres, qui des fois se fait à 22, 23, voire 24 heures. Le plus fort, ça a été quand même le javelot. Non seulement il y a l'émotion du record, mais du record pulvérisé. Et c'est plus que de l'émotion, c'est de la surprise, quoi. Ce gamin, il nous étonne tous les jours. Être capable de rebondir comme il l'a fait après une première journée qui était mal entamée, c'est digne des plus grands. On sent qu'il est encore tout neuf et ça doit se voir de l'extérieur pour ceux qui ne le connaissent pas. Nous, on le sait, il est encore tout neuf. La musculation, on a à peine abordé. Les séances lactiques, entre guillemets, on a à peine abordé. Je dis que c'est le seul athlète depuis 30 ans qui me surprend. Là, je fais de la récup. Récup, on met des bottes, c'est de la pressothérapie. Ça permet de récupérer. J'avais les jambes un peu lourdes là et j'essaye. On m'a conseillé ça, donc pour l'instant, ça fait du bien. Mais en plus, je sais même pas, je fais à Sophie. Ouais, je prends le kawa si vraiment des fois il fait froid, tu vois. Mais je sais même pas pourquoi je l'ai pris en fait. Bah
Ouais, il y a des jours comme ça où de toute façon c'est. Ça va, elle est arrivée au bon moment quoi, la flotte en plus. Mais en plus, je commence à avoir pleuvoir, je fais, mais là c'est le déluge, mais c'est trop bon quoi. Bah ouais, c'est clair. J'étais là, mais il y a des jours comme ça où ça. Il y a des jours où ça se passe super mal, puis il y a des jours où il y a tout qui s'enchaîne tout dessus. Et oui, c'est la belle surprise de la soirée pour l'équipe de France d'athlétisme ici à Moscou. Mélina Robert-Michon, vice-championne du monde du lancer du disque féminin avec un nouveau. Il a fallu faire les journalistes, après la conférence de presse, après il y a eu le contrôle antidopage, mais ça j'ai eu de la chance, ça a été assez rapide. Et puis après pour retrouver enfin mon coach, enfin voir mon compagnon, donc voilà, c'était, ça m'a semblé très long en fait. Alors là, c'était très clair, c'était très bien, parfait. Ouais, là, faut 5 minutes, là, même pas, 3 minutes à le voir maintenant. Bon bah, dis-lui qu'on arrive. Il va y avoir 200 messages et puis on va prendre le normal des communes. C'est vraiment un bon moment quand je vois mon coach parce que voilà, c'est avec lui qu'on a partagé tout ça. Après, j'ai envie de partager avec lui, avec mon compagnon, de téléphoner à tous mes proches. Voilà, j'ai eu mes parents au téléphone, ils étaient super contents, ils étaient en train de fêter ça. Donc voilà, c'est l'envie de partager en fait avec tous ceux qui m'ont suivi toute l'année et qui ont partagé tout le côté un peu difficile avec moi. C'est avec eux que j'avais envie de partager ça en fait. C'est voilà, touchant de voir tous les gentils mots et voilà. Félicitations, il y en a beaucoup, tu nous as fait pleurer quand même. Donc voilà. Mais je crois que je vais faire exploser le téléphone. Là. Je voulais vraiment pas me retrouver à la place du coup. Parce que quatrième, je vous dis, j'ai 34 ans, j'aurai pas encore 50 opportunités. Donc c'est vraiment. Voilà. Je me suis dit c'est maintenant, faut y aller. J'ai encore pas vu Moscou, franchement, dans un tel. Je suis pas sorti dans un périmètre de plus d'un kilomètre de l'hôtel, là. En dehors du stade de l'hôtel. Souvent, j'assistais à l'arrivée des médaillés au Club France et c'est sympa d'être de l'autre côté de la barrière. C'est l'occasion de retrouver tous ceux que je vois toute l'année, que ce soit à la Fédé, en équipe de France ou tout ça, donc c'était aussi sympa de pouvoir partager avec eux. J'avoue que je suis encore un peu à 10 cm au-dessus du sol, mais petit à petit je redescends et puis je pense que je réaliserai surtout quand j'aurai vraiment la médaille dans la main et là ça deviendra un petit peu plus concret. Il y en a beaucoup qui ne croyaient pas, il y en a beaucoup qui disaient bon, elle sera encore finaliste, ça sera déjà pas mal. Et ben voilà, j'avais envie de vous faire voir que ces gens-là se trompaient. J'avais regretté déjà de ne pas avoir pu battre le record de France en finale des Jeux et je me suis dit, ben là, c'est le moment, il faut le faire. Ça, je veux dire, ça a de la gueule, le record de France ce jour des championnats du monde. Allez, Mélina, pour le fun, pour l'honneur, la dernière. Oh, ouais, record de France, c'est les larmes. Les larmes dans le joie de bonheur. Complètement libéré sur ce dernier essai, rien à perdre. Et là, le bras est parti. Tout s'est relâché. Quel bonheur. Là, véritablement, elle change de statut aussi au niveau international. Allez, en larmes. Elle a si souvent pleuré parce qu'elle était au pied du podium. Quand même beaucoup de frustration, mais je dirais il y a quand même au moins la satisfaction d'avoir une médaille. C'est ma troisième médaille au championnat du monde, donc c'est quand même pas rien. Et au moins je suis toujours régulier parmi les trois premiers au plus haut niveau et c'est une belle satisfaction quoi.
la frustration, c'est de pas avoir été mis dans des conditions normales pour faire du saut à la perche. Sur les 13 finalistes, on était 5 à partir dans le virage. Et c'était vraiment déstabilisant, quoi. Donc après, je suis pas le seul à avoir, entre guillemets, un peu raté la compétition dans le sens où je manquais de régularité, etc. Les autres, ceux qui partaient au même endroit que moi avaient le même problème. Donc voilà, c'était pas normal sur la compétition la plus importante de l'année d'avoir un cas comme ça. Je me suis battu comme jamais parce que il a fallu que je m'emploie beaucoup plus que d'habitude pour arriver à faire quelque chose que en plus j'étais pas à mon niveau. Et la différence entre champion du monde et moi, et ben c'est que moi j'ai eu des échecs et c'est tout, on a sauté la même hauteur. Donc ça joue vraiment à rien du tout. Mais ça fait ma 10e médaille internationale depuis la première en mars 2009, donc c'est quand même pas rien, je suis quand même super content de ça. Voilà, au fur et à mesure, ça se remplit, ça se garnit, et c'est aussi l'objectif de ma carrière. Ah, c'est mal aux jambes. Mal aux jambes depuis 21h10 et 10 secondes. Donc comment ça se passe quand une course dure 1 minute 43 ou 1:44 en l'occurrence et à 10 secondes t'as mal, ouais, c'est compliqué. Donc voilà, je souffre physiquement. C'était beaucoup d'émotions. Ouais, je suis passé par beaucoup de choses dans cette course d'ailleurs. Vraiment beaucoup de choses, donc c'était incroyable. Une bataille de chiens, entre chiens. Je récupère très vite des défaites comme aujourd'hui, et aujourd'hui je ressens... Il y a la défaite, hein, forcément, mais je vais la digérer plus vite que mon ombre. Je vais aller en vacances. Je vais retrouver mes potes. Les filles. Et voilà quoi. D'ailleurs, je vais retrouver mes parents et toute la clique dans peu de temps. Donc on va bien fêter tout ça. Je suis spécialiste. Mon genou, morph mon genou maintenant. Je vais me reposer, c'est bien. Bon, 17, 3, 4. Voilà, il y a toujours de la poisse avec les ascenseurs. Ça, c'est moi, ça. J'ai morflé, tantôt. Ouais, dernier 800. Dernier 800. Tant que ça. Ouais. La dernière, lors de la finale, c'était la finale. C'est bon, là, tout dit. C'est fait. Ouais. La branlée. Non. Non, je plaisante. Je parle de la saison. Belle saison. On mérite un peu de repos. Et quelques bières. Ça, je veux bien l'admettre. Ouais, tu l'as vu dans mon regard. Regarde, ça brille. C'est pas mal, ça. Allons, vas-y, qui moi, c'est. Aucune pitié. Ouais. Tu prends même pas le Brésil. Moi, c'est la seule équipe que je connais. Oui. Ouais, c'est bizarre, nous, on joue au 4-4-2 classique ici. Le vrai 4-4-2 de Carlo Ancelotti. La Vinci pour la vitesse. Ibrahimovic parce que c'est un attaquant complet. Et Menez, qui est aussi le créatif. Okay. Bon, moi, je joue avec City, c'est équipe par défaut. T'as vu? Équipe par défaut. Il a sorti l'équipe comme si c'était le nouvel entraîneur de Paris. Qui ça, moi? Mais bien sûr. Je suis l'entraîneur Paris, c'est bizarre.
Nickel, ta mission si tu l'acceptes, juste mettre un but. Il t'a dit qu'il peut faire des montages. Oh. Aïe. Aïe. Y'a City qui se réveille là. Ibra, Mamad Sakho. Oulala. Manchester City n'est pas bien. Hein. Non, tranquille. Petite touche, ça joue. Mais les gars, c'est pas, il faut pas. Jalette. Faut pas l'écouter. Jalette. Ibrahimovic. Grosse frappe d'Ibrahimovic et but. Oh là 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 là, magnifique. C'est regardez-moi cette célébration, il fait l'avion et il saute en l'air. Oh là là, putain. Ici, le début de la fin. Doublé de Zlatan. Toto. Ah, j'ai dit, hey. Heureusement qu'il a pas joué, heureusement qu'il joue pas avec les techniques, mon gars. Non, mais là, hey, là, il est parti, là, il est lancé. J'annonce tout de suite. Il va y avoir une retournée qui va être déclenchée là bientôt. Retournée. Oh non. Dernière action. Est-ce qu'il y aura le temps? Comme j'allais au bas. Vas-y, revanche. Tranquille. Ah ouais, non, tu veux jouer. Tu veux jouer. C'est belle. C'est énorme. Ouais, t'as vu, je me suis dit, je mettais mes derniers, j'en bats 3, c'est tout. Et là, j'en ai battu un peu. Il a calculé, lui. Merci, finale et finaliste. T'as trop, ça fait $5, tout va bien. Les vieux coordonnées. C'est concrétiser la saison par une place de finaliste, c'est beau. J'étais arrivé avec le 8e temps désengagé, je fais 8e au final, donc je confirme ça sur le terrain avec les pointes au pied, donc c'est satisfaisant, c'est sûr. J'étais venu pour cette finale et faire au minimum dans les 8, je fais 8e. C'était le minimum vital pour moi, enfin, c'était ce qui me tenait à cœur. Et comme dit, je l'ai concrétisé ce soir et ça c'est important. Sur une première année, enchaîner deux styles, c'était pas forcément évident. L'enchaînement et voilà, la récup, c'était délicat, c'était dur à gérer un peu. Je savais pas trop comment allaient réagir les gens. C'était un peu dur sur le début de course, c'est pour ça que je me suis mis un peu en fin de peloton et à l'arrière. Et je suis remonté progressivement pour voilà, jusqu'à la dernière rivière, encore sur la technique, j'arrive à battre le Marocain, donc c'est plutôt bien, voilà, je suis content de moi. J'ai pas résisté à la deuxième place. Quelle est la tiens, filet. Je me bats, j'essaye de progresser chaque année. C'est clair que j'obtiens pas le titre de champion du monde ni le titre de champion olympique. Mais faut regarder mes performances chronométriques et je continue à progresser. Et je serai jamais lassé de monter sur le podium et d'obtenir des médailles pour l'équipe de France. Game Boy, t'as fait l'aspiration. Il était bien caché derrière toi. Quand on regardait bien la course, toute la course, il était derrière moi. Et c'est, il a basé sa course sur moi et c'est une marque de respect. Mais bon, un jour, ça veut dire ce que ça veut dire. Bah, c'est le diplôme. Résultat. Troisième place, 17,86. Belle performance. Chrono intéressant par rapport au début de course. Passage en 2,47. 8-7 à l'arrivée, ça veut dire 5-20 le dernier 2000. Ça, c'est intéressant. Hein. Ça veut dire que devant cet effort, ça n'a pas chômé. Voilà, c'est pas une petite course. Hein. C'est pas une petite course. Franchement, gros niveau. J'ai pu être affecté, c'était pas mal. Ça va te faire une belle collection de photos, hein, tout ça. Ouais, finalement. Photos, médailles. Faut que ça continue. Faut que ça continue. Voilà. Faut pas se contenter de ce qu'on a. Thank you. Hello. Qu'est-ce que vous voulez? Je rigole. Ça, c'est Lily de Louise. Voilà mon lit. Après, il y a la salle de bain, mais ma carte ne marche pas très bien. Il n'y a pas de lumière. Là, mon gros sac. Comme cette année, la Fédé, on n'a pas lavé nos affaires. Mais c'est trop cher à l'hôtel. Tu m'ajoutes 200 euros pour faire ça. Mais non, je pouvais les ramener chez moi et je les lave. Donc voilà, je mets ça dans mon gros sac. On va trouver un moyen de le fermer. Ça, c'est deux machines. Blanc et bleu. Et là, c'est mon sac de... Au cas où c'est trop lourd, je retire, je mets là-dedans. Parce qu'on n'a droit qu'à 23 kilos, donc... Ouais. J'ai vraiment toujours un sac bonus au cas où. Voilà. Wow. Bio.
Ouais, t'aurais pas pu faire 5ème, j'aurais fait 5ème, merde. J'aurais dû gagner. Je pense que voilà, elle a fait un très beau championnat. Il y avait beaucoup plus de stress en demi-finale, hein, où on a dû attendre les résultats de la dernière demi-finale pour savoir si ça allait passer ou pas en finale. Mais voilà, c'est un très beau championnat pour elle, un très beau championnat pour moi aussi. Cet hiver, on fait 3ème tous les deux au championnat de France. Cet été, on gagne tous les deux les championnats de France. Et bah, là, au championnat du monde, on fait tous les deux la même place. Alors bah, voilà, c'est ma jumelle de la saison. C'est Thomas, merde. C'est à cause de Thomas. Il m'a dit, tu fais comme moi. Ah, je fais comme lui. Non, fallait faire mieux. Ah, je suis un peu déçue, putain. Et on n'est pas déçus en finale de championnat du monde, chérie. Hein, hein. On a tout gagné. On a tout gagné. Non, mais 84, quoi. Je sais. Putain. Je sais. Non, j'ai même pas fait 72, 84, quoi. Ouais. Non, mais là, je râle alors qu'avant, j'aurais fait ouais, 84. Et 84, je dis, oh my god, 84. Je t'ai goûté. T'es dans les 8 meilleures femmes au monde. Tu relativiseras cette nuit et demain tu seras heureuse. Merci. Demain tu seras très heureuse. J'avais plus de jeu, franchement j'avais plus de jeu. Tu prends la planète, tu prends toutes les filles. Tu prends toutes celles qui font des haies, tu les balayes tous, une claque une par une, jusqu'à la 7ème, c'est toi. J'étais là. Putain, j'avoue, c'est vrai, hein. Tout ça, tu prends la planète, tu vires tout le monde, tu gardes les 8 meilleurs. Il y en a encore 7 devant, 6 devant, mais combien sont derrière? Combien sont derrière? Tu le restes du monde. Mais je voulais faire 54. Je voulais le record de France. Mais bon, tu c'est pas fini. Je vais compter, tu sais quoi? Pour l'avoir vécu, n'y pense pas. Tu viendras tout seul. Ouais, c'est vrai. Parce c'est que vrai. Tu vas buter. Ouais. Je ne verrai jamais. Voilà. Il ne faut pas dire ça, non. Ça viendra en n'y pensant pas. Ouais, c'est vrai. On le fera ensemble. Tu prendras le record de France, tu prendras le record. S'il ne le prend pas avant. Je pense que si je fais record de France, il fera record de France. Ouais. Parce que de toute façon, on se suit, on fait les mêmes finales, les mêmes places. On va descendre jusqu'à où, tu vois. Eh bien, descendez, nous on prend tout ce qui est descend. Nora, raconte-nous comment t'as construit ta course, est-ce que t'as réfléchi, est-ce que t'es partie comme ça, comment ça s'est passé, parce que ta course elle est fantastiquement équilibrée. Ah ben merci beaucoup, hein. Parce qu'on n'a pas la même voix là, elle vous fait pas penser à quelqu'un sans blague, non? Enfin moi je sais pas, mais bon, enfin bref, alors vas-y raconte-nous, tu sais pas mais quand même tu volais, hein. Mais comme l'a si bien dit Marie, quand c'est le relais, il n'y a plus de schéma de course, on n'a plus vraiment, on se dit on parle d'une telle façon, il n'y a vraiment plus ça. C'est, il y a les filles, elles sont devant nous, il faut les accrocher parce qu'il faut, Marie me l'a donné dans les meilleures conditions que possible, du coup il fallait vraiment que je le donne à meilleur dans les meilleures conditions que possible. Donc c'est maintenir ou même faire mieux, mais surtout ne jamais lâcher. Farah, elle a le rôle de remplaçante, elle a fait le boulot en demi et elle doit laisser sa place en finale. Alors Farah, est-ce que quelque part c'est dur à vivre? Le fait de ne pas courir, de voir les copines qui se défoncent et toi d'être sur le bord de la piste? Non, pas du tout. C'est pas du tout dur à vivre. Au contraire, c'est super excitant de les voir courir. C'est la première fois que ça m'arrive. Et sincèrement, j'étais debout, je sautais partout et j'étais vraiment très, 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 très. Et je suis encore très heureuse. Voilà, ouais, vous vous rendez compte, 5 filles plus Cindy. Voilà, l'athlétisme féminin français. Voilà, ça c'est l'avenir de l'athlétisme féminin français. Por todo el esfuerzo que han hecho, por confiar en nosotros y
es para todo aquel que confía en nosotros, que nos quiere y es nada, a seguir. Tu marques. Merci. Si tu fais ton papier là, ouais. Je vais marquer Jean-Michel Serrin pendant les deux ans là. Quand je l'ai harcelé au téléphone là, je l'ai harcelé 22h, 23h, je l'appelais, je dis bon, on fait comment avec les problèmes. Il a fait bon, Jean-Michel, c'est comment? On opère pas, ça évolue comment? Quand je fais le. Tu sais, quand je fais le cinquième, j'ai des vertiges. Non, t'as fait 58. 65 là? Non, quand t'as fait 68. 68. Hey, mais le cinquième essai, je suis là, où je parle, et tu vois, j'ai pas calculé Ivan, ouais. Parce que j'avais des vertiges en fait, ouais. C'est pour ça que j'arrivais pas à me concentrer sur lui. Ouais. J'ai commencé à avoir des vertiges parce que je sens que j'ai laissé de l'énergie en fait. Sans tu gères, frère. C'est pour vérifier ton niveau, je pense. Vu la conférence presse de ouf, t'es un peu trilingue. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'étais venu pour faire le maximum, pour tout donner. Et ça s'est conclu d'une très belle manière, en plus le dernier essai. Donc pour moi, là, c'est le bonheur, c'est un rêve qui se réalise. Quand ça allait pas et tout ça, tu n'as jamais pensé à... Non. Non, tu n'es jamais projeté, quoi. Tu n'as jamais dit un jour que je vivrais une soirée comme ça, quoi. Moi je pense que les 18 mètres qu'il a fait, c'est grâce à la serviette d'eau mouillée. Non, j'ai cru à mon potentiel et à ce que j'étais capable de faire, c'est pourquoi j'ai continué. C'est champion du monde des médecins. Et puis même la serviette mouillée, parce que Dani il avait absolument sa serviette. Il va t'emmerder. C'était une stratégie de lutteur. C'était thérapeutique. De lutteur. Ouais, en plus oui, non c'est vrai. On attendait celle-là. Ah ouais. Ah ouais, tu n'as pas fini. Nakarable naprava. Il y aura d'autres. C'est bien ça. C'est lui qui a parlé en russe en plus. Moi j'ai dit monsieur. Sérieux, attention à toi, tu verras. Continue comme ça. Nakarable. Didier Gamgo, champion du monde du triple saut. Maintenant, c'est vrai que le concours était très difficile, il a fallu rester vigilant. Et puis c'est vrai que quand j'ai commencé à faire une série de mordus assez loin, j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire. Et au dernier essai, il y a ma mère qui m'a demandé de faire 18 mètres et j'ai dit ok, je vais le faire. Et j'ai dit ça pour la rassurer, mais je ne m'attendais pas à le faire en fait. Je suis là ce soir, excusez-moi monsieur et dame, c'est pour vous remercier parce que je croyais que Tézi il était à moi tout seul. Mais ce soir je découvre que il y a beaucoup de monde. Et depuis que il a eu les minima, chaque soir et chaque fois il vient à la maison, il ne veut pas manger. Maman, je fais le régime, il faut que je sois champion du monde. Alors... Je me suis décidée, je viens à Moscou, mais Titi, tu sais ce que je t'ai apporté? Voilà, ta nourriture. Écoutez, le relais, il s'est passé. Moi, quand j'ai franchi la ligne, je sais qu'on nous étions championne du monde. Donc après, on a regardé les vidéos donc, après la course et on a vu qu'il y avait un petit problème entre le passage d'Ayodele et de Myriam. Donc on a attendu quand même avant de sauter de joie parce qu'on savait qu'il y avait un problème. Mais le juge a validé, donc pour nous, on était vice-championne du monde. D'autant plus qu'après ça, on a eu la conférence de presse officielle, le podium, la cérémonie. Donc on a tout eu et c'est seulement quand on est rentré à l'hôtel que
qu'on a vu qu'on était disqualifiés. À peine on voit le chrono que tout de suite on pense à Céline. Donc on a vraiment réalisé, je pense, arriver en la zone mixte, quand on était devant les journalistes. C'était un peu trop tard, mais je pense qu'on a bien crié. On a bien crié. Et on réalise petit à petit, quand on fait le podium, quand on fait la conférence, quand on remet nos médailles, on réalise de plus en plus. Et là, on a hâte de rentrer au compétition avec nos familles et nos amis. Pas technicienne pour savoir s'il y a vraiment eu disqualification ou pas, ou hors zone ou pas. Donc je pense que le passage était assez limite. Donc ce qu'on reproche plus à l'I2AF, c'est la manière dont ils ont disqualifié, parce que c'est anti-sportif. Mais bon, maintenant c'est passé, la page elle est tournée, donc j'espère qu'on va repartir de plus belle et essayer de recréer un espoir. Voilà. Bien vivre ensemble, pour moi, c'est très important, parce que c'est ce qui nous permet justement de nous sublimer, de nous dépasser, de nous soutenir, que ce soit dans les bons et mauvais moments. C'est une famille. Tout ça, c'est peut-être ce qui a fait aujourd'hui que ça a bien fonctionné. Les championnats du monde, on sait ce que ça vaut. Quand vous voyez que seul l'athlétisme est le sport où le Qatar fait une médaille, le Botswana, ça démontre toute la densité, la difficulté et l'opposition qu'il peut y avoir dans ce sport, dans ce si beau sport. On vit des bons moments, des belles histoires, une belle aventure humaine, et il faut qu'elle dure. Tous les acteurs qui sont autour des athlètes, ça aide beaucoup justement aux athlètes en tout cas, à se dépasser, à combattre, le mot que j'aime, et à rien lâcher. Et je pense que c'est ce qu'ils ont démontré.